Wow! Bravo! T'es vraiment un beau chien! T'as du fun? T'as du fun? Bon matin tout le monde! J'espère que vous allez bien! Banjo, t'es en train de manger la boule de neige! Vous êtes en ce moment sur une boule de bonhomme de neige. Puis, c'est ça, je suis en train de sortir Banjo. Tu veux-tu courir après? Il tape là-bas. Ben, je l'ai lancé. Attends, on va en relancer un autre. Il y a celui-là. Bon. Il fait vraiment froid dehors, c'est fou. Il fait genre moins 25, puis ressenti, je sais pas trop combien. Banjo est bien différent, tu me vois? Il mange la neige. Écoutez, c'est du gros fun. Fait que c'est ça, aujourd'hui on est samedi matin. Il n'y a pas grand chose de prévu au planning. Ça va être vraiment relax. Ça va être un petit peu un vlog organisation. Je vais faire une petite popote. Ça va ressembler à ça. On aime bien ça de même. Hein? Puis c'est ça, ce matin je vais prendre ça relax. Je vais me faire un bon café. Yeah! Parce que le week-end j'ai le droit de boire du café. Puis, toujours pas de nouvelles concernant... Ben oui, concernant la maison un petit peu. Dans le fond, on va ouvrir le mur ce week-end, puis on va aller voir qu'est-ce qu'il y en a demain soir. Fait que j'espère que ça va bien aller. Tu sais, c'est un petit peu pour se rassurer, parce que les fissures, ça peut monter vite, mais en même temps, pour une maison de 19 ans, ça m'étonnerait vraiment, là. Tu sais, je parlerais pas d'un duplex ou d'un triplex ici, là, à Montréal, tu sais, où est-ce qu'il a été construit dans les années 20 ou même plus tard que ça. Mais là, tu sais, ça m'étonnerait vraiment qu'il y ait une grosse fissure qui coûterait plusieurs milliers de dollars, mais on veut tout de même investiguer. Donc, on se reparle un petit peu plus tard. Là, je vais aller jouer avec mon petit Tana ici. Puis, c'est ça! Monsieur a mangé trop de neige. Il continue à manger, puis après ça, il chiale parce qu'il y a le museau qui est trop froid. Je le comprends pas. Je le comprends pas, ce chien. Thank you.
rendu en début d'après-midi. Ce matin, on a pris ça quand même assez relax, comme vous avez vu. Dans le fond, ben, on a comme déjeuné, on a placoté au lit mon chum et moi. On s'est fait dans le fond un bon... Ben, j'ai fait les bons cafés avec des petits biscuits. Puis c'est ça, on a placoté un petit peu dans le lit de tous nos processus, nos projets, puis ces choses-là. C'était vraiment le fun. Aussi, on a contacté notre courtier immobilier. Parce que en tant que tel, là, au niveau des délais pour l'inspection, c'est comme 14 jours. En tout cas, c'est comme 14 jours. Puis là, il faut t'avertir par écrit si s'il y a des choses, admettons que l'inspection. Comment dire? Qu'au niveau de l'inspection, il y a des choses qui te dérangent, faut que tu l'avertisses par écrit, puis tout ça. Puis nous, on n'avait pas averti par écrit, on avait plus averti verbalement. Notre courtier nous avait dit que, tu sais, tout était beau, que c'était vraiment correct, tu sais, vu que lui, il a les deux bords, c'est bien. Mais, c'est ça, on dirait que moi, je suis toujours un petit peu mal à l'aise. J'ai super confiance en notre courtier, il est vraiment super gentil. Tu sais, tu le vois qu'il est pas trop vendeur, parce que moi, ça, c'est quelque chose qui m'énerve, là, vraiment, tu sais. En tout cas, le premier qu'on avait eu, courtier, tu voyais qu'il essayait de vendre puis tout ça. Puis ça, moi, ça vient vraiment pas me chercher. Je pense que c'est vraiment plus de notre génération non plus. Tu sais, quand c'est des gros vendeurs puis tout ça qui te poussent, moi, on dirait que ça m'éloigne vraiment de la situation. J'aime vraiment pas ça. Fait que, en tout cas, je trouve que lui, il est vraiment le fun. Justement, il dit les vraies affaires. Mais tu sais, ça reste quand même que lui, son vrai client, c'est la vendeuse. Fait que, on dirait que j'ai toujours une petite partie de moi qui a un petit doute. Tu sais, on dirait, j'y fais confiance, tout ça, mais on dirait je peux pas lui faire 100% confiance parce que, tu sais, vous comprenez, dans le fond, son vrai client, c'est la vendeuse. Puis lui, il veut la vendre, la maison, là, parce que, tu sais, son profit vient de là. Mais j'ai quand même, tu sais, je passerais vraiment pas qu'il risquerait de faire quelque chose comme ça parce que ça viendrait quand même jouer sur genre de sa licence, là. Mais on dirait que je préfère vraiment me baquer. Fait qu'on a demandé à ce qu'il fasse une prolongation de notre offre d'achat. Il nous a proposé une semaine, puis on trouvait ça vraiment correct. Tu sais, je suis sûre que qu'est-ce qu'il disait, c'était pas pour nous passer une petite vide quoi que ce soit. Mais on dirait que, je sais pas, je suis juste plus rassurée. Moi, comme je vous dis, je suis pas quelqu'un qui fait 100% confiance à quelqu'un dès le départ. Ça me prend vraiment... ça m'en prend beaucoup pour faire confiance en quelqu'un. Mais tu sais, j'ai quand même confiance en lui, mais... Reste que c'est quand même l'achat le plus important de ma vie, fait que je préfère que tout soit écrit. Même si, tu sais, on en a parlé beaucoup par téléphone, c'est sûr que ça reste verbalement, mais si vous voyez ce que je veux dire, c'est que maintenant avec les technologies, ben, vous comprenez si vous lisez un petit peu entre les lignes, c'est que peu importe qu'est-ce qu'on dit, ben, c'est ça, ça finit par se savoir. Fait que, ben, c'est ça, je pense que tout va bien aller. En fait, ben, c'est ça, là, il va faire une prolongation en l'offre d'achat d'une semaine, juste comme pour nous laisser le temps de décider aussi qu'est-ce qu'il y en est. Je suis vraiment pas stressée par tout ça parce que, tu sais, nous, qu'est-ce qu'on veut s'assurer, c'est comment que la fissure, elle est à l'intérieur. On sait même pas si la fissure, tu sais, elle a traversé les fondations, là. Elle a peut-être même pas... Ah, j'ai laissé le focus comme automatique. Coudon, je suis dans mes poches ces temps-ci, j'oublie tout le temps de l'enlever. Bon, ben c'est ça, on sait même pas si la fissure a vraiment traversé les fondations. Puis, tu sais, nous, c'est juste pour voir l'ampleur de la fissure à l'intérieur. Parce qu'en tant que telle, l'ampleur des dégâts, tu sais, oui, on veut que ça soit décontaminé puis tout ça, mais tu sais, c'est pas vraiment ça qui nous stresse parce que, de toute manière, comme je vous disais, le sous-sol, éventuellement, on voudrait le refaire, là. Ça aurait pas été dans nos projets immédiats, mais là, tu sais, ça va peut-être le faire devancer un petit peu plus. C'est un petit peu plus poche. Mais, tu sais, c'est ça qui est ça. Puis, tu sais, dans le fond, oui, ça diminue comme la valeur de la maison, un peu, si je peux dire ça comme ça, mais... En même temps, on peut pas vraiment jouer sur cet argument-là, étant donné que, tu sais, nous, on l'aurait refait, tu sais. En tout cas, je trouverais que ça serait mesquin. Puis, c'est ça, c'est... Qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est ça, nous, on veut juste voir à l'intérieur comment elle est grande. Tu sais, d'après moi, ça serait vraiment pas si intense si elle traverse de l'intérieur. Mais, tu sais, il faut quand même se l'assurer pour faire nos soumissions. Puis, tu sais, la maison, elle a 19 ans. Ouais, elle va avoir 19 ans.
Fait que, tu sais, c'est pas comme si c'était des duplex ou triplex, comme je vous expliquais à Montréal, où est-ce que là, il faut soulever la maison, refaire toutes les fondations, puis on parle de genre 30 000 à 40 000 $ là. Je pense vraiment pas que ça serait ça, là. Mais il faut quand même s'en assurer, là. Tu sais, la fissure, elle fait même pas la. Dans le fond, c'est. Qu'est-ce qui est inquiétant d'habitude, c'est quand la fissure, elle a comme une largeur de carte de crédit. Puis là, elle fait même pas ça, mais c'est le fait qu'il y ait la pente négative vers le terrain. Fait que bref, là, il me semble que j'arrête pas de parler de ça. Et. Là, c'est vrai, je voulais vous demander quelque chose parce que aussi j'ai parti une brassée de lavage, j'ai lavé mon lit. Dans le fond, moi, je lave tout le temps mon couvre-lit aussi en même temps parce que, tu sais, Banjo, il vient s'asseoir sur le lit et tout ça, fait que je préfère le laver. Il vient pas sale, tu sais, Banjo, il salit pas, là, souvent, je me fais demander, ah, tes meubles sont pâles et tout ça, mais c'est pas lui, là, c'est souvent nous qui échappe des affaires, tu sais, mettons. Comme là, on a pris notre café puis tout ça, puis on l'a mangé, puis mon chum a genre mis des miettes de biscuits partout dans le lit, là. Mais c'est pas grave parce que on l'avait, tu sais. Mais c'est ça, il salit pas Banjo. Puis mon couvre-lit, je l'ai. En fait, il vient de chez IKEA. Puis là, je trouve qu'il commence à avoir un petit peu plus son voyage parce qu'il veut pas le laver à chaque semaine depuis 2 ans, ben. C'est ça. Mais il y a pas 2 ans, là. Il y a plus que ça, là. Je vous dirais, il y a une dizaine d'années parce que c'est quand ma mère, elle s'était séparée. Elle avait acheté ce couvre-lit-là. Puis là, elle avait ce couvre-lit-là. Puis là, après ça, en tout cas, elle était en logement. Puis quand. Dans le fond, le condo ici, il appartient à ma mère, pour ceux qui ne savaient pas. Puis elle a déménagé ici, mais elle a comme vraiment pas vécu longtemps parce que elle s'est fait un copain. Qui, lui, avait un enfant, puis ici, il y a juste une chambre, fait que là, fallait comme qu'elle vende son condo, puis là, nous, on cherchait à déménager dans un condo dans ce temps-là, fait qu'en tout cas, ça l'a comme tout bien endonné. Puis, elle a comme laissé sa housse de couette parce que son copain avait un lit king, fait que là, elle était comme, moi, je vais me débarrasser de mon lit queen, je vais prendre mon lit king. Puis nous, on avait un lit queen, fait que là, en tout cas, bref, on a juste pris la housse là, de couette à elle. Fait que dans le fond, elle a comme peut-être 10 ans cette housse de couette-là, puis elle restait encore super belle. Moi, je les ai toujours pris chez IKEA, là, dans le fond. Quand j'étais jeune, ma housse de couette venait chez IKEA. Après ça, quand j'étais comme plus ado aussi, même à notre appart, dans le fond aussi, c'était elle. Ben, c'était elle que j'avais quand j'étais ado. Puis après ça, j'ai eu celle-là ici. Puis moi, je vous les recommande. Je trouve que le rapport qualité-prix, c'est vraiment super. Mais dans le fond, tout ce qui vient chez IKEA, moi, j'adore. J'aime vraiment, vraiment ça, IKEA. Je trouve que c'est quand même de la qualité, là. Puis, tu sais, le monde qui dit que c'est cheap et tout ça, je trouve pas, là. Je trouve que, oui, tu sais, il y a des trucs qui sont vraiment d'entrée de gamme. Mais plus tu vas loin, je trouve que c'est vraiment pas cheap. Puis moi, j'aime vraiment ça. Je trouve que c'est vraiment une vieille mentalité. Ils ont souvent des garanties de fou, là, tu sais. Nous, on a genre des chaudrons qui appartenaient à mon beau-père, à Jerry, mon beau-père. Tu sais, il nous avait donné ses chaudrons quand on avait déménagé en appartement. Puis, tu sais, lui, il les avait depuis peut-être, mettons, 5 ans, mettons. Puis, un moment donné, il y avait une poignée qui avait lâché, puis nous, on met nos chaudrons même au lave-vaisselle, puis tout, là. Mais il y a une poignée qui avait lâché, puis on avait été le rapporter au IKEA, puis il nous en avait donné un flambant neuf. Genre, les chaudrons sont garantis 25 ans. C'est vraiment très intense. En tout cas, moi, j'ai jamais eu de problème avec le service à la clientèle de chez IKEA. Puis je trouve que c'est vraiment cool, là. Tu peux souvent acheter des pièces. Si, admettons, on avait un ancien divan. Puis le côté dans un déménagement avait brisé. Puis ma mère, elle avait acheté comme le côté du divan. Puis en tout cas, je trouve j'adore leur service. Puis là, je divague tellement, là. Mais ce que je vous disais... C'est que, dans le fond, nous, il va falloir acheter tous nos électroménagers. Puis j'ai regardé un petit peu au niveau des sécheuses. Puis ça, on dirait, je connais moins les sécheuses. C'est quoi les bonnes marques? Est-ce que Samsung, c'est une bonne marque? Parce que j'en vois souvent. Je vois beaucoup Samsung, LG. En ce moment, j'ai Whirlpool et j'aime vraiment pas. Elle est neuve, là, cette laveur sécheuse-là. Elle a 3 ans. Puis elle fait vraiment beaucoup de moisissures. Dans le compartiment, mettons, où est-ce qu'on met le savon, là, ça vient toujours à moisir, puis tout ça, puis c'est vraiment bizarre, là, je comprends pas pourquoi. Puis même dans l'espèce de gros scellant, là, puis tu sais, on ferme pas la laveuse ou quoi que ce soit, là, quand on fait nos brassées, tu sais, on laisse sécher l'intérieur. Fait que je sais pas trop, là, mais cette série-là, je pense qu'elle était vraiment pas bien cotée, mais ils venaient avec, on les avait délés avec le condo ici. Les électros. Pas mon poêle puis mon frigo, là, c'est ma mère est partie avec, mais les laveurs sécheuses, là, puis sont super lourdes, là. Les gars qui avaient monté ça ici jusqu'au dernier étage,
qui disait comme c'est les pires serveurs sécheuses au monde. Donc, c'est ça, j'irais plus vers Whirlpool. On dirait que ça me prend pas donner un bon avis. Donc, vous me direz, vous, c'est quoi? Il me semble que j'ai entendu dire que Samsung, c'était bon. Mais je suis peut-être dans le champ, là. Mais c'est ce que je vois pas mal au niveau de sur Internet. Je vois beaucoup Samsung puis LG. Puis, c'est ça. Moi, je veux des frontales parce que j'aime vraiment ça. Je trouve ça pratique aussi, éventuellement, si on souhaite superposer nos laveurs sécheuses. Puis, ben, c'est pas mal ça, dans le fond. Et ben là, mon petit planning pour aujourd'hui. Vous avez vu aussi, j'ai coupé les griffes à Banjo. Je suis sûre que je vais me faire poser des questions. Nous, on l'a fait depuis qu'il est vraiment jeune. Fait comme vous voyez, il est vraiment docile. Ça ne le dérange pas. Faut juste vraiment faire attention pour pas lui couper la petite veine. Ça m'était déjà arrivé. Là, puis, oh my God, c'était genre une scène d'horreur. Parce que, tu sais, t'as tellement de pression sur le bout des doigts. Là, c'est comme nous quand on se coupe. Mais lui, il s'en rend pas compte. Fait que là, il marche partout. Il y avait du sang là, à grandeur. J'ai un petit produit qui stoppe ça. Mais ça avait été vraiment une grosse coupure. Il avait fallu aller... au vétérinaire. Je me sentais tellement la pire mère du monde, là. Mais il avait comme bougé sa patte quand je cliquais pour couper son ongle, fait que... Bref. Et ben c'est ça, ça va super bien, là. On utilise le petit outil, là, je vous l'ai montré. Puis le petit produit coagulant, là, vous le trouverez en animalerie, puis le coupon aussi, là, je les prends en animalerie. Mais comme je vous dis, nous, on le fait depuis qu'il est jeune, fait qu'il est super habitué, puis il aime ça parce qu'il y a des gâteries après. On l'amadoue. Et ben là, c'est ça. Je vais faire une petite soupe. Je sais pas trop qu'est-ce que je vais faire comme soupe. Je vais regarder qu'est-ce que j'ai dans le frigo. Je vais vous montrer. Après ça, je veux m'attaquer. Là, j'ai ici une petite boîte avec tous mes papiers importants au niveau des impôts et tout ça. Puis là, je suis rendue pour faire un ménage parce que souvent, je garde le papier pour mes permis de conduire, pour nos permis de conduire. Mais tu sais, celui de cette année, OK, je le garde. Mais celui de l'an dernier, on n'a plus besoin de le garder, là. Puis au niveau des impôts aussi, je pense que j'en ai qui ont plus de 7 ans, là. Donc, je vais repasser ça en revue, puis faire détruire ça de façon sécuritaire. Puis c'est pas mal ça. Après ça, je sais pas trop qu'est-ce qu'on va faire, là. Je veux organiser aussi une armoire. Puis, ben, je vous montrerai ça. J'ai trouvé qu'est-ce que je voulais faire comme ça. Dans le fond, j'avais un jambon comme ça. C'est vraiment rare que j'achète ça, un jambon toupie. Je trouve que c'est pas particulièrement bon. Je préfère les vrais jambons qu'on laisse dans la mijoteuse avec l'os, là. Je trouve que ça fait un meilleur goût. C'est moins comme rempli de genre de nitrate pis tout ça, là. Mais j'en avais besoin pour une recette durant le temps des fêtes que finalement j'ai pas fait. Puis là, je veux pas le perdre parce qu'il est bientôt dû. Dans le fond, il est dû fin janvier, là. Il est dû dans 10 jours. Ce que j'ai eu comme idée, c'est que je pourrais faire une soupe aux pois parce que j'avais acheté des pois cassés. D'habitude, j'achète des pois entiers, des pois jaunes entiers pour ma soupe aux pois. Mais la dernière fois, je me suis fait pogner mes pois, ils cuisaient pas. Puis ça veut dire que nos pois sont comme trop vieux. Je les achetais en vrac parce que je trouvais que c'était comme plus écologique. Tu sais, souvent les lentilles puis tout ça, j'achète ça en vrac. Sauf que s'il n'y a pas un bon taux de roulement, mais le pois, il cuisera pas, là, même si on laisse tremper une nuit de temps. Fait que j'avais pas envie de me refaire pogner, donc j'ai pris en sachet, puis j'ai pris cassé. Donc au niveau de la cuisson, ça va comme mieux aller. Donc je me suis dit que j'allais faire une soupe au pois. Par contre, je dois faire tremper mes pois. Mais j'ai trouvé une recette sur 5-15. C'est pas la recette que je prends habituellement parce que comme je vous dis d'habitude, moi ma soupe au pois, je la fais vraiment avec du jambon à l'os. Là, je fais cuire mon jambon à la mijoteuse. Puis après ça, même avec le bouillon, je mets ce bouillon-là. Puis ça fait vraiment une soupe au pois là, traditionnelle de cabane à sucre. Mais ben là, c'est ça. C'est pas le cas. Fait que j'ai trouvé une recette sur 5-15 que c'est la soupe au pois à la mijoteuse. Eux, ils prennent du lard. Mais moi, je me suis dit que j'allais couper mon jambon en petits cubes. Puis, dans le fond, là, je vais tout de suite faire tremper mes pois jaunes. Je vais faire comme revenir mon jambon. Ben, je vais couper mon jambon en petits cubes, je vais le faire revenir. Je vais couper tous mes trucs, je vais tout mettre dans la mijoteuse. Après ça, ben, dans le bol de la mijoteuse. Puis, le bol de la mijoteuse, je vais le mettre au frigo. Puis, ce soir, avant de me coucher, je vais rincer mes pois. Malgré que je pense que c'est juste 2 heures. Ouais, peut-être, tout dépendant combien de temps que je le fais, je vais peut-être la faire ce soir ou demain matin, en tout cas.
je rincerai mes poids, je mettrai tout ça dans la mijoteuse. Le stock va déjà être là dans le fond. Il me restera juste à ajouter comme mon bouillon de poulet puis mes poids. Puis je vais laisser comme mijoter ça. Donc, ça, je suis claire, là, mais en tout cas. Fait qu'au moins, ça va être prêt. Puis là, c'est ça, je vais pas le faire durant la nuit parce que là, je viens de voir, c'est juste 2 heures à feu doux seulement. Il me semble que c'est pas beaucoup. En tout cas, j'ai peut-être mal à regarder. Ouais, finalement, je vais peut-être comme me laisser tremper mes poids toute la nuit. Mais là, vu que c'est pas des poids entiers, c'est peut-être moins de temps. En tout cas, il m'a tout informé ça, mais vous voyez un petit peu le principe. J'ai comme tout préparé mes ingrédients, puis après ça, j'aurai juste à tout pitcher dans la mijoteuse. Puis, merci, bonsoir, ça va se faire tout seul. Donc là, je vais préparer mes choses. Je vous montrerai un petit peu de quoi ça a l'air. Oups! Je suis trop grande. Je vais me mettre comme ça. Il y a plusieurs d'entre vous là, qui me demandaient souvent comment que je fais pour bien cuisiner, puis au niveau de ma coupe des aliments, comment que c'est arrivé ça. Il y a du monde qui s'en va en appartement, qui m'écrivent et disent comment tu fais pour trouver des aussi bonnes recettes puis tout ça. Mais je vous dirais, moi, c'est quand même dans mes gènes. T'sais, ma mère, elle a toujours cuisiné des vraiment bons petits plats, sans trop se casser la tête, je vous dirais. C'était à la bonne franquette, même plus. Puis ça fait longtemps que je suis partie chez mes parents. Moi, je suis partie de chez mes parents à 19 ans. Donc, ça fait quand même un bon 7 ans là, qu'on cuisine. Puis, tu sais, quand on est parti de chez nos parents, mais on est parti de chez nos parents. Tu sais, on revenait pas chercher des plats ou partir avec des trucs le week-end, là, même si on était plus serré, on était à l'université, tu sais. Justement, ça nous forçait à nous faire comme de la bouffe, puis ben, c'est ça, dans le fond, à se faire de la nourriture avec le budget qu'on avait, tu sais. Fait que ça, puis tu sais, mon chum aussi, il est cuisinier, donc au niveau, tu sais, de l'inspiration des recettes puis tout ça, ben, on était comme deux. Souvent, tu sais, des fois, c'est un peu plus la femme, là, sans dénigrer personne, là, qui au début trouve les recettes puis tout ça. Puis, ben, je vous dirais, c'est pas mal ça. Moi aussi, ben, c'est sûr, je suis partie à 19 ans, mais également, mes parents étaient séparés depuis que j'avais 15 ans. Donc, les deux, ils s'étaient fait comme des copains-copines. Fait que souvent, j'étais seule à la maison parce que, ils allaient chez leurs copains-copines, tu sais, ce qui est totalement normal. Puis moi, j'étais enfant unique. Donc, tu sais, je me retrouvais seule à la maison. Là, mon Dieu, je dis ça comme si c'était quelque chose de grave, mais moi, j'aimais bien ça. Tu sais, j'étais ado, puis j'allais à la maison, puis on pouvait faire nos affaires, tu sais, j'aimais bien ça. Fait que, tu sais, souvent, ben, je me cuisinais un repas, puis c'est comme ça un petit peu. Là, souvent, au début, je suivais vraiment plus des recettes. J'avais pas super de technique pour couper les aliments. D'ailleurs, vous êtes plusieurs à me demander comment que je coupe mes échalotes. Je vais vous montrer ça, tu sais. Échalotes ou oignons, là, ça reste la même technique, là. Attendez, je vais essayer de vous zoomer. Ouais, on voit bien comme ça. Donc, c'est simple. Dans le fond, je vais venir faire plein de petites lanières, de même tout le long de mon échalote ou de mon oignon. Donc, tu sais, je vais minutieusement. Je vous dirais que c'est vraiment la meilleure façon pour faire des mini-cubes, là. Je sais pas si on voit bien, hein. Je vais essayer de me mettre de même. Aussi, tu sais, vous faites souvent le saut, là, au niveau de mon couteau, tu sais. Mais plus un couteau est coupant, moins on a de chance de se couper, bizarrement. Mais c'est parce que souvent les coupeurs, c'est quand notre couteau vient comme mal couper l'aliment puis que ça nous glisse. Après ça, je viens de faire une coupe transversale. Quand on a un oignon, je vous dirais de le faire deux fois. Une échalote comme ça, j'aurais même pas besoin de le faire une fois, mais c'est ça qui est ça. Ce qui est vraiment important aussi, c'est au niveau des doigts, de pas mettre ses doigts comme ça, mais bien comme ça. Donc, au niveau de la lame, si ça vient à côté, vous ne venez pas couper vos doigts, tu sais, ça vient sur la phalange avant. Donc, tu sais, vous pouvez même le suivre de même, mais c'est vraiment important de pas mettre comme ça, parce que c'est comme ça qu'on vient faire sur le doigt, puis que là, on se coupe un bout de doigt. Fait que c'est vraiment important de venir comme griffer un peu l'oignon. Donc, en le tenant comme ça, puis après ça, c'est de tenir votre couteau aussi avec, tu sais, pas au niveau du manche, mais au niveau du bout, là, je sais pas si on voit bien. Tu sais, on vient prendre une bonne fermeté. Fermeté, c'est comme ça, on dit? En tout cas, une bonne poigne sur le couteau. Voilà, moi, c'est mon chum qui m'a enseigné l'art de bien couper, là. Puis là, après ça, ben, on vient tout simplement émincer notre échalote, puis... C'est ça.
Ça fait vraiment des tout petits cubes, comme vous pouvez remarquer. Je sais pas si on peut zoomer encore plus. Ouais, fait que ça vient vraiment émincer en mini morceaux. Ça nous fait vraiment des tout petits morceaux, là. Je sais pas si on est capable d'en montrer un. T'sais. Yeah boy. Comme ça. Je pense que c'est trop à demander pour ma caméra. Mais on voit un petit peu le résultat. Fait que... Voilà. Donc, c'est pas mal ça pour mes recettes. T'sais, souvent, je m'inspire de d'autres personnes. Et je vous dirais, tout le temps, la base d'une recette, moi, c'est tout le temps mettre des échalotes, de venir déglacer au vin blanc aussi. Là, t'sais, même si vous avez des enfants, là, l'alcool s'évapore. Il n'y a pas d'alcool après ça qui va dans la recette. Là. Ça donne juste comme une acidité qui vient rehausser le goût un petit peu, bien salé poivré. Puis ben, c'est pas mal ça. J'ai pas vraiment de trucs, tu sais, je sais pas, c'est comme... Ça fait longtemps que je cuisine, fait que c'est par habitude, puis à force de faire des essais et erreurs aussi, qu'on vient être meilleur. Fait que c'est ce que je vais dire pour capsule de recette. Fait que mes légumes ici sont prêts, mes petites carottes. Dans le fond, j'ai coupé en deux les morceaux de carottes que je trouvais un petit peu trop gros parce que je suis pas une grande fervente de carottes là, dans des soupes, mais c'est bon pour la santé, fait que c'est ça. J'ai fait tremper mes pois comme ça, là, je vais mettre le couvercle, puis dans le fond, je vais mettre ça au frigo. Après ça, j'ai mon jambon ici qui fait dorer la couenne. C'est vraiment bon de faire revenir justement sa viande là, parce que ça donne vraiment un petit goût là, de dorer sa viande. Après ça, il disait de mettre du céleri, mais moi j'aime pas le céleri. Fait que je vais mettre plus des graines de céleri, ça vient donner un petit goût. Mais c'est ça, j'aime vraiment pas le céleri, là, la texture puis même le goût. Mais si on le goûte pas là, les graines de céleri, ça vient juste comme... Ça vient juste comme compléter le tout. Au niveau gustatif. Et je vais tout venir mettre dans mon bol de mijoteuse. Je vais mettre le couvercle, ça s'enlève là, du. Là, je vais avoir une main parce que ça c'est comme en fonte là. C'est lourd. Mais je vais mettre mon couvercle, puis je vais mettre ça au frigo. Puis je vais la partir demain parce qu'en plus je me suis rendu compte que j'avais plus de bouillon de poulet. Mais demain on va au Costco, puis je vais pouvoir en acheter puis en mettre là. Ben j'en ai encore, mais il n'y en a pas assez à mon goût. Puis c'est ça, fait que je vais pouvoir en acheter demain au Costco. Fait que clairement, tout est bien. Tout finit bien. Là, je vais continuer la recette. Puis on se parle un petit peu plus tard. Ça fait un petit moment qu'on s'est pas parlé. J'étais dans mes gros paperasses. Je vous montrerai pas parce qu'il y avait des trucs confidentiels. Là. Mais en gros, tu sais, si je me mets de loin, là. Je fais comme toutes des piles là, puis moi dans le fond comment que ça fonctionne, tu sais, il y avait des choses qui étaient quand même assez classées, mais dans le fond je mets tout ça dans des boîtes de même, puis je mets ça dans des enveloppes. C'est encore mieux quand on a une filière puis qu'on peut mettre comme des dossiers, mais malheureusement ici dans notre appartement, ancien appartement, ben on manquait d'espace. Donc voilà, ce serait encore mieux je pense de tout numériser puis tu sais. Mais ça fait quand même du trouble aussi. Fait que moi, je marche comme par enveloppe, là, genre, mettons, pour te donner un exemple, comme toutes les papiers relatifs aux impôts 2014, je les mettais dans une enveloppe. Puis là, ben c'est ça, j'ai comme repassé, parce que des fois, on nous demande des papiers, tu sais, comme là, pour l'hypothèque, mettons, on nous demandait nos deux avis de cotisation des dernières années. Puis tu sais, ben, veux pas, ben là, tu viens fouiller, puis des fois, tu replaces mal ton stock. Fait que là, j'ai vraiment comme tout mis correctement. Vraiment aussi au niveau des... tu sais, tout est relevé médical, là, quand on se fait faire un petit billet, admettons, pour aller se faire masser, puis là, on se fait rembourser par nos assurances. Fait que tout est qu'est-ce qui est les relevés d'assurance. Faut les garder, mais je me rappelle plus combien de temps. Fait que là, je les ai toutes mis, puis je vais repasser dans là-dedans. Après ça, j'ai comme une pile de tout ce qui est acheté. Je vais tout repasser, voir qu'est-ce que je fais shredder, puis qu'est-ce que je peux jeter au recyclage. Fait que c'est quand même vraiment un processus qui est long, mais c'est ça. Dans le fond, la petite boîte que je vous ai montrée, j'en ai trois. Fait qu'il y en a une avec tous nos papiers
de couple, puis mes papiers. Il y en a une autre que c'est comme une boîte plus de souvenirs, mais des fois je me trompe, puis là je range vite vite, puis je le mets dans la boîte à souvenirs, fait que là, je passe au travers de celle-là aussi. Puis celle-là de mon copain aussi, là, qui est, elle, c'est plus ses affaires de job, puis sa boîte de souvenirs, comme combinée aux deux. Fait que je suis passée dans les trois. Là, je vais comme laisser mes petits tas, là, je vais aller prendre une marche parce que j'étais un petit peu tannée de faire ça, là. Ça fait déjà comme un bon 40 minutes que j'ai tout classé. Là, tu sais, tout est en belle catégorie, là. Il me reste juste comme je veux dire, à repasser, admettons, qu'est-ce qui est les billets d'assurance. Mais je m'en rappelle pas combien de temps il faut conserver ça, fait que je vais aller lire sur Internet. Puis c'est pas mal ça. Ouais, là je vais aller comme promener Banjo, ça va me faire un petit peu aérer parce que je suis comme un petit peu tannée d'être à l'intérieur. Et ben après ça, ben, je m'attaque à ça. Encore. On se retrouve quelques heures plus tard. Encore. Me semble que j'ai dit ça au dernier clip aussi. J'ai fait pas mal d'organisations. J'ai tout terminé le classage de ma paperasse. Ça a été long, mais au moins c'est fait. Puis tout est bien organisé par année. Puis en tout cas, tout par type. Fait que, tu sais, souvent d'une année à l'autre, je vais juste pouvoir prendre l'enveloppe, jeter de façon sécuritaire mes trucs. Puis, par la suite, qu'est-ce que j'allais dire? Ben, c'est ça là. Puis par la suite, ben, remplacer avec la nouvelle année qui arrive. Ben c'est ça, après ça, ben, c'était quand même long. Puis tu sais, j'avais gardé plein de factures comme importantes, mais finalement, au fil des ans, n'est peut-être plus important ou n'est plus sous garantie. Fait que passer à travers chaque petite facture aussi, c'était quand même long. Puis j'ai fait un petit peu d'organisation dans des choses que je pouvais pas vraiment vous montrer. C'est un peu dommage, mais tu sais, admettons, j'ai fait le ménage de mes bacs d'accessoires hivernales, là, tu sais, mettons des gants puis ces choses-là. Tu sais, je pouvais pas vraiment vous faire un avant-après parce que j'ai pas jeté grand-chose, mais tu sais, il y avait comme peut-être deux paires de gants que j'ai jeté, un bandeau que je portais plus parce que en plus j'en ai reçu un nouveau. Fait que tu sais, des petites affaires comme ça que je fais une rotation, si on peut dire plus ça, là, qu'un grand ménage. Puis la même chose aussi un petit peu dans mon armoire, ma petite penderie de une petite lingerie, je pense, c'est comme ça qu'on appelle ça. Fait que j'ai jeté des trucs. Puis là, j'aimerais ça faire nos tables de chevet. Il n'y a pas vraiment grand chose dans nos tables de chevet, mais j'aime tout le temps ça, là, juste comme faire une rotation des choses. Moi avant, comme je vous ai dit, j'habitais dans un tout petit appartement. Il y avait deux mini garde-robes, là, tu sais, genre des mini garde-robes. Puis c'était tout ce qu'on avait de rangement. Fait que j'ai toujours eu l'habitude de faire une rotation de nos affaires. Puis ça respire, ça fait vraiment du bien. Puis là, veux pas aussi avec le déménagement qui va s'en venir. Si tout va bien, dans le fond, ça serait en mai qu'on aurait la maison. Mais on se laisserait un mois à rester ici, dans le fond, pour refaire nos rénovations. Fait que ça, tu sais, ça éviterait qu'il y ait des meubles qui encombrent. Puis aussi au niveau de la poussière, pour pas que ça se retrouve un petit peu partout. Fait que tu sais, on ferait toutes nos rénos, puis après ça, on déménagerait. Puis pour le déménagement, ça va pas être trop compliqué étant donné qu'on déménage pas les accessoires, qu'est-ce que je dis là? Les électroménagers. Tu sais, nos parties les plus lourdes, ça va être le sofa. Mais ça se fait bien parce qu'il est en deux parties, dans le fond. On fait juste comme désassembler les deux parties. Puis après ça va être le matelas aussi. Le matelas queen qui est quand même vraiment lourd, là, ce matelas-là. Fait que je vous dirais, c'est les deux parties le plus lourd. Fait que c'est pas si pire. On va peut-être demander de l'aide puis plus louer un camion que des déménageurs. Parce que c'est ça, sinon ça va monter vite pour qu'est-ce qu'on a. Là, on n'aura pas grand-chose. Puis comme on va avoir un mois pour déménager, mais on va apporter toutes nos boîtes, tu sais, au fur et à mesure. Genre le stock qu'il y a dans la bibliothèque, du linge, c'est tout ce qui est des accessoires dans le cabanon. Puis le jour du déménagement, ben, on aura juste à déménager les gros meubles. C'est comme ça qu'on voit ça. Mais là, c'est si on a la maison aussi. Fait que c'est ça, je pense que je vais mettre fin au vlog parce que j'ai quand même pas mal placoté. Puis pour être franche, c'est ça, je vais prendre ça vraiment relax. Je vais me faire un petit souper cosy, bien simple.
Puis, je vais regarder des Gilmore Girls encore. Je vais faire le petit ménage de ma table de chevet. Puis, en tout cas, ça va être des trucs comme ça. Fait que je vais mettre fin au vlog tout de suite. Puis, j'espère que vous avez apprécié. Puis, on se revoit dans un prochain vlog. Puis, n'oubliez pas de commenter là, quelle marque de sécheuse, laveuse que vous aimez. Puis, que vous me recommandez. J'aimerais vraiment savoir votre avis. Donc, sur ce, on se revoit dans un prochain vidéo. Bye tout le monde!